Eh bien, salut tout le monde, c'est Paulin59 pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, comme vous le voyez. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement... Attendez, j'avais juste un peu la musique, voilà. Tout simplement sur le menu, comme vous voyez, où est-ce qu'on peut commencer la partie. Donc je vais vous présenter tout simplement trois nouvelles maps que j'ai téléchargées. Donc la première, c'est Nuktoid. Donc on va retirer tout ça, ça sert à rien, charger. Donc voilà. J'avais encore un peu le son. Voilà, comme ça, ça devait être bon. Je vais vous présenter trois nouvelles maps que j'ai téléchargées. Donc, une, c'est Nuktoid, qui est en train de charger, tout simplement. La deuxième, ce sera une sorte de survival zombie. Donc, ce sera dans une grande salle, et puis il y aura des sortes de manches et tout ça. Et puis, il y aura tout simplement du zombie. Donc, voici la map Nuktoid que j'ai téléchargée. Malheureusement, elle a été faite pour moi, elle a été faite à la va-vite parce que franchement, elle ressemble pas à ça. Hein, vous voyez les véhicules. Franchement, c'est quand même bien fait de sa part d'avoir fait ça. Je vais pas le critiquer son travail. Franchement, il a quand même bien géré. Mais j'ai l'impression qu'il l'a fait vite fait. En fait, je sais pas pourquoi, mais c'est une impression. J'ai dû modifier même certains trucs. Hein. Ici, on pouvait rentrer, normalement, on peut pas. Ici, normalement, c'est une sorte de poubelle, et lui, il avait rien mis, il avait mis une double porte. De toute façon, il a mis quasi une double porte partout, en fait. C'est un peu dommage. Ici, normalement, il y a un barbecue, je crois, et il l'a pas mis. Ça, c'est pas trop grave. Je pourrais le rajouter, mais bon. Donc voilà, la map Nuktoid, hein, en soi. Donc, je vais pas faire un grand tour sur la map. Je vais juste, tout simplement, le faire montrer comme ça. Parce qu'il y a... Les deux maps qui vont suivre, ils vont être un petit peu plus longues à faire montrer, car tout simplement, elles sont... Bon, la troisième map, New York, elle est très grande, enfin le dire, elle est très grande. Donc ça, je vais prendre plus de temps à aller dessus. Donc on va aller sur Zombie Survival, c'est comme ça que je l'ai appelé, j'ai changé un peu le nom, parce que... C'est marqué iLog, je crois, sur la map. Rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais j'aurais dû changer le texture code, celui-là c'est de la merde. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est de la merde. Façon de parler, hein. Les texture code, si c'est texture code là, c'est texture code dessin, je crois. Ou je sais plus quoi, plastique. Et c'est moche. Franchement, c'est moche. J'aime pas du tout. J'espère que la musique de fond vous l'aimez bien, ou que ça vous dérange pas trop. Donc là, vous rentrez ici, là c'est pour dormir et tout ça, c'est pour respawner. Là, c'est pour les spectateurs, donc je vais vous faire montrer. Je vais vous faire montrer en montant tout en haut, c'est pour les spectateurs, tout simplement. Donc voilà, pour les spectateurs. Donc là, je suis en créatif, donc perso, il n'y a rien de dur, ce que je vais vous faire montrer. Mais en survie, c'est très dur. J'ai réussi à aller assez loin, donc quand je l'ai testé. Donc voilà. Donc là, c'est zombie. Donc là, c'est la game. C'est la partie. C'est où est-ce que vous allez jouer, tout simplement. Vous voyez, c'est grand, hein, avec tous les distributeurs. Donc, nous allons prendre. Stuff. Voilà. On va faire Stuff Game. C'est pour démarrer la partie. En sachant qu'à chaque fois vous avez de l'or, je crois, ouais, c'est ça, de l'or. Ici, New Game, c'est pour tout effacer et tout recommencer en gros. Alors, Start Game, hop, je recolle mes 4 d'or, voilà. Et ça ne peut pas spawner, bien sûr, parce que je suis en créatif. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous faire montrer. Hein. Ça ne peut pas spawner parce que je suis en créatif. À un moment donné, quand vous aurez assez d'or ou quelque chose du genre, vous pourrez venir ici et acheter des accessoires. Donc, par exemple, il vous faut... On va essayer. Donc, ça le dit, hein, il faut de l'or, hein, tout simplement. Allez, hop. Vous voyez ?
Utilisez que de l'or, hein, ne trichez pas non plus, hein, ça sert un petit peu à rien de tricher. Quand on vous demande de l'or, bah, faites de l'or, ça sera plus. C'est plus simple en fait. Donc attendez, je vais reprendre de l'or, les minerais, tout là. On prend 64, même si t'as besoin de 564. Là j'en ai mis que 4. 5. Voilà. Vous voyez déjà 5 d'or, vous avez un bout d'armure complète. Le sixième, une épée en gems. Le septième, une armure en gems. Une underperle, même si l'underperle ne sert franchement rien. Si à part s'il y a trop de monde pour vous échapper. Okay. La pomme en or. Donc c'est pas la pomme cheatée, hein, c'est juste la pomme en or. Et le dernier. Voilà. C'est le bâton Ultimate Zombie Wand. Donc c'est un bâton qui tue les zombies à deux coups avec aurore de feu, etc., etc. C'est très cheaté pour les zombies, mais pas pour le reste. Voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà, hein, tout simplement. Donc je vais vous faire montrer un peu le circuit en redstone fait, dedans aussi. Parce que ça, franchement, c'est vraiment abusé. Donc on va passer par... Bon, on va passer par là. Attends, faire un coup. De toute façon, c'est des blocs de quartz. Vous voyez, ça commence de là, tout doucement. Ça rentre à l'intérieur, bien sûr. Et ça va vraiment très loin, mais ça... Personnellement, on s'en fout un peu, c'est pas ça que j'ai envie de vous faire montrer. C'est tout ce qu'il y a là-bas. Donc là, c'est pour alimenter les distributeurs et tout ça. Vous voyez, ça passe vraiment partout les fils de redstone. En fait, j'ai une bonne idée en fait, de faire comme ça. C'est ici le plus gros du travail. Voilà à quoi ça ressemble. Là. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Je l'ai téléchargé. J'ai dû juste modifier quelques petits trucs parce que ça buguait un petit peu. Vous voyez au niveau de où est-ce qu'on met l'or, et ben ça buguait en fait tout simplement. Ça, vous allez mettre par exemple un lingot d'or, même si je m'occupe, un lingot d'or, et ben de temps en temps ça va pas fonctionner. Normalement ça va fonctionner à tous les coups. Et il faut mettre un par un tout simplement. J'ai dû changer. Attendez, c'est vers où? C'est vers là. Voilà, c'est ici. Ici en fait, je crois que c'était là. Il y avait manqué des trucs. Je sais plus où c'était. Attendez, faut que je regarde. Normalement, il y a un endroit où il manquait un repeater en fait. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a un repeater qui avait cassé, ou je sais pas trop, mais il manquait un truc. Voilà, c'est tout simple. Tout simplement, je crois que ouais, il manquait un repeater quelque part. Il y avait un trou. Ça a dû être détruit, je l'ai juste rajouté comme ça, tout simplement. Donc, en gros, en fait, ça tombe dedans. En fait, ça tombe là. De là, ça tombe tout simplement dans l'eau. Et puis dans l'eau, ça vient ici jusque là. Voilà, tout est là, regardez. Tout est ici. C'est vraiment pas mal. J'ai embarqué un truc, c'est pas normal. Pourquoi l'or s'arrête là? C'est fait exprès. C'est bizarre. Donc voilà. Voilà le circuit en lui-même. Assez badass quand même. Un jour que j'arriverai à faire ça, franchement. Ce serait vraiment super. Donc on va quitter sans sauvegarder bien sûr. Nous allons aller sur la map. Comment ça s'appelle? Ah oui, New York, pour tout simplement vous faire visiter la ville de New York. Ça, je vous apprends rien là-dessus. Quand on va à New York, c'est pour visiter New York, c'est pas pour visiter le sushi du voisin. Donc voilà. Avant cette vidéo-là, que je suis en train de faire, je voulais faire une vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc, un petit retour dans le passé, un truc comme ça. Mais le problème, c'est que c'est injouable.
franchement, c'est injouable. J'ai super tourné. J'ai essayé de faire trois gameplays. Sur les trois gameplays, bah, il n'y en a aucun qui est passé, hein, tout simplement, parce qu'il n'y a que des lobbies partout. Je change de mode lobby, je change de touche lobby. C'était chiant, quoi. Donc voilà, vous voyez tout simplement la map de New York. Avec la petite musique qui va bien. Donc on va descendre pour dire que là, ça charge un peu. Regardez, dès que ça va charger, c'est magnifique, franchement. La personne qui a fait ça, je le remercie énormément, car franchement, moi je suis fan de New York, donc j'adore New York en fait. Donc voilà. Donc c'est pas terminé, hein, tout simplement. La tour qu'il y a là n'est pas finie. Il manque quoi? Il manque tout simplement l'arrière, en fait. Il manque complètement l'arrière. Ensuite, il s'est carrément amusé à faire une grue et tout. Franchement, la grue, elle est magnifique. Franchement, j'ai vu à lui. Il y a un club là. Il y a beaucoup de choses, hein. Franchement, il y a beaucoup, mais vraiment, vraiment, beaucoup de choses. Donc voilà. Là, je sais pas du tout c'est quoi. C'est magnifique en tout cas. J'avais pas encore vu ça. C'est vraiment beau. Ok, c'est quoi ça? Tout délabré. Pas mal. C'est vraiment magnifique les constructions là. Regardez, il a même été jusqu'à ça en fait. New York. Vous voyez? Qu'il aurait dû faire plus large, ça aurait été plus marrant. Non, c'est pas grave, pardon. La grande roue qui est plus petite que ça. Ça, c'est son itinéraire, c'est du. Comment ça s'appelle? C'est du Ikea, avec le parking géant et tout. C'est Ikea, les amis. Regardez, Ikea, voilà. Donc, je vais pas montrer l'intérieur, hein, parce que c'est un petit peu rien, quand c'est vide en fait. Pour la plupart des constructions, c'est vide. Donc vous voyez comment c'est magnifique. Imaginez, je me mets là. Hop. Imaginez-vous, vous êtes vraiment un mini-moïse à côté de ces tours-là, quoi. C'est hallucinant. Dans la nuit, ça fait beau quand même. Comme c'est éclairé et tout, ça fait magnifique dans la nuit. Et je sais pas, j'avais envie c'est de faire un let's play en fait sur cette map. Mais un let's play, vous voyez comme comment dire, un let's play zombie en fait. Vous voyez par exemple, je rentre dans la maison, ok, il y a un villageois et deux villageois, trois villageois, ok, je l'ai vu ici, c'est un bar en fait, non? Ouais, ça y ressemble, bon, enfin bref. Ouais, j'avais envie de faire un let's play avec des zombies et tout ça ici. Je sais pas ce que vous en dites, franchement, il faudra me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Attendez, j'ai passé la nuit pour voir à l'intérieur ce que c'est, pardon. En plus, c'est vrai, parce qu'il y a quand même des villageois et tout, c'est vraiment pas mal. En sachant que les villageois, je pourrais en rajouter en fait aussi. Ok, t'es en prison mec, vraiment pas mal ça, ah d'accord, mec. Pourquoi pas, c'est vraiment bien fait là, pour le coup c'est vraiment bien fait, donc je m'amuserai sur certains bâtiments à rajouter des mobs. Pas des bombes spawners, mais vous voyez des distributeurs avec repeater à chaque fois que je passe. Ça s'activera tout simplement. Donc, comment faire ça? Bah, tout simplement avec le plaque de pression. Par exemple, il y aura une ligne de plaque de pression, je serai obligé de passer dessus. Hein. Vous inquiétez pas, ça sera vraiment fait exprès. Et les zombies spawneront et les magos auront tout simplement. Tout simplement. Oh, magnifique. Franchement, c'est magnifique ce qu'il a fait. Vous voyez, il y a même un pont là-bas, enfin un pont, un tunnel.
C'est vraiment magnifique. Là, on sort de la ville. On va aller un petit peu plus vite pour voir. Voilà une prison. Ah non, c'est couteau. J'aurais dit une prison, mais non, pas du tout, en fait, c'est cool. C'est rien du tout, ça. Ou il a peut-être pas fini. Parce qu'il y a encore des boulots. Donc là, ça doit être une prison, en fait. Vous voyez le bâtiment ici pour les tôlards, et puis là, ça doit être. Okay, ça doit être ça, en fait. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est magnifique aussi. C'est vraiment beau. Oups, excusez-moi. Regardez-moi ça, quoi. Ah oui, il y a tout qui m'a fait kiffer, c'est ici. Franchement, ça me fait trop kiffer. Il a tout pensé, donc. Vous entrez là, et puis boum. Vous voyez, c'est vraiment trop bien fait. Il y a même un étage, j'ai pas vu l'étage. Waouh, c'est trop bien fait. Sauf que, mec, ça t'en avait pas besoin, en fait. Non, c'est pas grave, je sais. C'est vraiment bien fait, hein, franchement. Chapeau à lui. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas s'il y a un lien, en fait, à New York. J'ai jamais capté ça. J'ai déjà vu les... Je suis pas allé. C'est un rêve que j'ai envie de faire, en fait, de aller à New York. Je suis pas encore allé. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? C'est de la glace? Attendez, il y a un problème C'est de la glace. Eh oui, voilà, pas mal. Mais pourquoi ça a fondu? C'est dommage. Ça se faisait bien. Attendez, il y a encore des trucs quelque part. Comme là. Je vais le modifier, je vais quand même remettre. Voilà ça. Parce que ce serait un peu dommage que. Regardez. C'est un peu dommage quand même. Ah, je crois que c'est fait, je crois, en fait, les trucs bleus comme ça. Donc, attendez, on va la remettre. C'est pas grave. Ah, il a fondu. Le truc a fondu. Je sais pas trop comment on dit. C'est le même. Ouais. Mais non! Ouais, c'est ça. C'est vraiment magnifique, franchement. Cet immeuble. Malheureusement, c'est pas découvert, mais bon, ça c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Donc voilà. Donc, la visite des trois maps est terminée. Enfin, la découverte des trois maps est terminée. Donc, je vous dis un grand merci à tous. Franchement, un grand merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À partager aussi, ça me fait vraiment plaisir. De voir mes vidéos qui se baladent un peu partout. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc, j'espère aussi que ma nouvelle intro vous plaît. Si elle vous plaît pas, j'essaierai d'en faire une autre, mais ça va prendre du temps. Tout simplement. Donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous dis tout simplement à la prochaine. J'arrête même la musique. À la prochaine. Et puis, allez, bye tout le monde.